Et puis alors, j'ai lu dans ce livre, dans Sperme, que vous avez un livre fétiche. Et je vais vous citer, je ne vais pas le dire tout de suite ce que c'est, pour que les gens aient l'impression qu'il y a un quiz. J'ai trouvé un extrait de ce livre que vous adorez. « Il sentit une grosse larme couler le long de sa joue. Il essaya de la cacher avec le verre vert. Par bonheur, personne ne remarqua son attendrissement. » Je trouve que ça vous va particulièrement bien. C'est l'extrait du Rouge et le Noir. Et c'est Julien Sorel, c'est votre livre préféré. Et il vous manque quelque chose pour être un parfait Julien Sorel. C'est que Julien Sorel, dans le Rouge et le Noir, est un assassin. Il manque Madame de Rênal. Mais sauf que vous avez failli tuer quelqu'un. Et j'ai adoré ce passage, c'est Bernard Senot. Vous dites que c'est la plus grande erreur de votre vie, le danger venu d'Angers. C'est l'homme qui s'occupait des affaires de Michel Polnareff. Voilà. Et vous dites, j'ai pensé plusieurs fois à aller descendre Bernard Senot sur la route de son exécution. J'ai décidé de faire demi-tour. Est-ce que vraiment, sérieusement, vous avez pensé à le dézinguer? Oui. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vous seriez encore plus rentré dans la légende. Oui. C'est intéressant ce que tu dis. Il y a Martin Fourcade qui peut vous prêter sa carabine si vous voulez. Non, c'était... non, j'allais pas en plus aggraver la situation en passant le reste de ma vie en tôle pour descendre cette ordure. Je veux dire, non, c'était plus au niveau de fantasme. J'avais adoré, moi, le film The Deer Hunter, en français, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voyage au bout de l'enfer. Oui, c'est ça, Voyage au bout de l'enfer. Où j'avais adoré cette scène où De Niro, il a le daim en vue, il est dans le viseur et il tire pas parce que bon, il l'a tué. C'est exactement cette scène que j'ai vécue, c'est-à-dire que je l'ai tué, mais il était toujours vivant. Et est-ce que vous avez eu la même pulsion, Michel, pour une autre ordure? Parce que Rocancourt, vous dites, une poubelle n'en voudrait pas comme sac. Est-ce que là encore, vous avez eu la pulsion de le dézinguer quand il vous a escroqué de 250 000 dollars? Ouais, c'est sûrement beaucoup plus que ça, mais c'est tout ce qu'on peut prouver, parce que bon, c'est un sinistre personnage, comme il l'a prouvé. Ce que j'arrive pas à comprendre, entre parenthèses, puisqu'on parle de lui. Bon, moi, je veux dire, j'allais, je sais pas, on était à Vegas, il y avait des personnalités qui se déplaçaient pour le voir. Vous avez un sac vomitoire, parce que j'ai sa photo devant moi, là. On va peut-être l'enlever. Remarquez, non, c'est bien que les gens retiennent son visage. Oui. Ce serait bien qu'ils le retiennent. D'ailleurs, c'est ce que j'allais dire. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment on peut encore se faire avoir par ce mec-là. Alors que maintenant, c'est clair, sa mission sur Terre, elle est quand même, il me semble, assez claire. Qu'est-ce qui fait que chez vous, parce que vous êtes quelqu'un, vous êtes un surdoué, un génie, comment est-ce que vous expliquez que vos antennes, qui sont extrêmement aiguisées dans l'art, un fa dièse mal formulé à 300 mètres, vous le reconnaissez immédiatement, et vos antennes semblent défaillantes quand un être humain de mauvais augure s'approche de vous? Comment est-ce qu'on peut être aussi aguerri sur le plan artistique et aussi, j'allais dire, naïf? Et se faire escroquer. Oui, mais non, mais c'est un bon point. Je veux dire, c'est une des raisons pour lesquelles, quand on me traite de parano, je dis que parano, je ne suis pas assez parano. Il y a toujours des mots comme ça qui reviennent, parano, où il ne viendra pas au spectacle. Il y a une espèce de légende complètement fausse. Enfin bref, Bernard Senot, je m'en suis méfié depuis la première seconde. Vous avez un instinct. Mon entourage m'a dit, t'es parano. Eh bien, croyez-le ou pas, le jour où je leur ai prouvé qu'il m'avait escroqué, j'étais content de voir que mon instinct était bon. Mais ça vous a coûté cher, comme ça. Ça m'a coûté très cher. Ça a coûté l'exil, quand même. Mais oui, mais perdre l'instinct, c'est pire que la mort. Parce que ça c'est pendant votre vivant. Donc ça, c'est bon. En ce qui concerne Rocancourt, c'était un peu plus simple. J'étais dans une extrême solitude. J'avais eu une rupture, machin, etc. Je me sentais seul. Ce mec a un charme fou. De toute façon, il faut avoir un charme fou pour pouvoir faire ce qu'il fait. Il est irrésistible dans son domaine. C'est un artiste dans son domaine. Voilà, j'ai dit encore du mal d'un artiste. Un artiste dans l'escroquerie. Oui, voilà. Bon, donc j'avais besoin d'un ami. Il était devenu mon meilleur ami, lui, avec Mickey Rourke, tout ça. C'était mes copains. Il avait fait croire à Mickey qu'il voulait me casser la gueule, d'ailleurs. Il avait fait croire à Mickey que moi, je vivais à ses crochets. Là, alors, vous n'avez pas eu les mêmes antennes la première fois que vous l'avez rencontré, par exemple? Non, lui, non. Non. Il est très fort. Très, très fort. Et il est encore d'autant plus fort qu'il continue et les gens se font toujours avoir. Vous concluez d'ailleurs ce chapitre par qu'on ne scie pas les barreaux de la cellule de Christophe Rocancourt. Il serait capable de piquer les sacs des vieilles dames dans le métro. J'ai été très choqué quand il a été présenté dans certaines émissions françaises comme un Robin des Bois. Un Robin des Bois, oui, c'est vrai.
Recancourt riche redistribuait l'argent qui avait été volé par Recancourt pauvre. Mais j'ai déjà trop parlé de lui, ça fait longtemps qu'il n'est plus dans mon viseur. Alors on referme le chapitre Recancourt et je donne la parole à Léa Salamé. Moi, ce qui...